Hello tout le monde, coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez super bien, bien sûr, chez vous et autour de vous. Allahumma salli wa sallim barak ala sidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais juste dire bravo, bravo, un immense bravo à l'équipe marocaine et à l'immense équipe française aussi. Bravo et... on est content et on a hâte que mercredi, le duel, c'est que du sport. Mais voilà, je soutiens bien sûr mes deux pays. Une petite préférence pour le Maroc qui n'ont jamais gagné et qui sont... voilà, c'est la première équipe africaine qui va là en demi-finale. Voilà, mais on soutient aussi la France. Ça va être chaud, je vous dis pas. Le cœur va s'arrêter à un moment donné, je crois. Bref, je suis pas là pour parler de ça. Je suis pas là pour parler de Coupe du Monde ou Télématin, c'est pas ici. Téléfoot, c'est pas ici. C'est dans une autre chaîne. Bref, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on va parler un petit peu plus sérieusement parce que j'ai eu des commentaires. J'ai eu aussi des messages privés en me demandant. Par rapport à mon projet professionnel, les Gilles Leva, voici, en me demandant, Leïla, t'en es où? Est-ce que t'as arrêté? On te voit plus, tu parles plus de Gilles Leva, etc. Alors, les Gilles Leva sont toujours là. Voilà, il m'en reste quelques-unes. Je vais vous les présenter. Je vais vous dire en même temps les tailles qui restent. Mais entre-temps, ça peut changer parce que je peux vite avoir, et je l'espère, des commandes, via mon. Via WhatsApp, je bloque. Voilà, j'ai tellement l'habitude de dire Instagram. Via WhatsApp, s'il vous plaît. Voilà, je vous mets le numéro juste ici. Et j'ai dû mettre de côté, voilà, parce que les enfants sont tombés malades, parce que ça m'a démotivée, parce que j'ai d'autres projets. Il y a quelque chose qui est venu se mettre en parallèle. C'était pas prévu, mais tant mieux, alhamdoulilah, je vous en parle très vite. Voilà, à un moment donné, tu ne peux pas tout faire et c'est vrai, c'est le projet que j'ai mis de côté aussi. Mais je vous remercie, remercie, j'en profite en fait via cette vidéo parce que vous m'avez fait confiance. Merci pour votre fidélité, merci pour votre sympathie, pour votre gentillesse. J'ai eu pas mal de retours, pratiquement tout le monde en fait qui a commandé. À chaque fois, j'ai des retours. Voilà, j'ai reçu la Gilles Leva, merci, elle est très très belle, c'est une belle qualité, etc. On m'a même téléphoné, voilà, on est resté longtemps avec certaines personnes au téléphone et je vous ai dit s'il vous plaît que par message. Je me suis pas fâchée tout ça parce que voilà, je comprends tout à fait, mais c'est vrai que des fois c'était à des moments où j'étais hyper occupée et je pouvais que répondre, bien sûr. Bref, alors je vous remercie pour ça. Voilà, merci, merci beaucoup. Et pour toutes les personnes, s'il vous plaît, je crois qu'il y en a une personne qui s'appelle Katia, je crois, qui l'a déjà écrit, je crois, deux fois même. Voilà, par rapport à ça. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, à toutes les personnes qui ont commandé jusqu'à présent, d'écrire en dessous de cette vidéo, voilà, pour bien montrer que c'est que de la bonne qualité. Mais j'ai de la boisson encore là. Je vais reprendre du service, Inch'Allah. Je vais manger du lion, comme notre équipe, les lions de l'Atlas, voilà, pour me motiver. Je vais essayer de tout faire pour, voilà. Et aussi me motiver sur mes autres réseaux sociaux aussi. Et puis, voilà, je vous en parle. De toute façon, vous verrez tout ça. Et pour tous ceux qui me suivent sur Instagram aussi, sur Facebook, vous allez voir très, très prochainement. Je n'ai pas de nouveautés. Voilà. Et je ne souhaite pas avoir de nouveautés. Parce que comme je vous ai dit, voilà, à la rentrée, je débutais. Et puis, tant que j'ai ce stock-là, je ne veux pas avoir de nouveautés parce qu'on m'a demandé aussi, voilà, Leïla, j'aimerais avoir telle et telle couleur, etc., etc., tel modèle. Ça viendra, Inch'Allah, Inch'Allah. Mais patience, pas maintenant. Voilà, plus après, un petit peu après. Le début d'année, Inch'Allah, qui arrive aussi très très vite, malgré tout. Dimanche prochain,
Attention, attention, écoutez bien. Dimanche prochain, je serai présente à un très bel événement, un grand événement avec l'association Solidart. Voilà, j'étais déjà l'année dernière, mais pas trop parce que c'est vrai que c'était plus avec le Thermomix. J'étais un petit peu présente, je dirais. Cette fois-ci, je serai bien présente parce que j'aurai mon stand. Écoutez bien, s'il vous plaît, mon stand avec mes gilets là-bas, avec mes gants d'Ora. Voilà. Vous pouvez me retrouver très facilement. Juste avec mes gilets là-bas, vous allez vite me voir. Et je me suis dit, très souvent, franchement, c'est vrai, hein. Et merci beaucoup à vous, ça me touche. Les Lyonnaises, souvent, voilà, me disent « Oh, mais t'es pas loin, j'aimerais bien te rencontrer, ça me ferait trop plaisir, etc. etc. » Bah, c'est l'occasion, parce que Lyon, Villefontaine, c'est pas très très loin. Voilà, l'événement sera à Villefontaine, Inch'Allah. Je vous mets tout de toute façon en barre de description et juste ici. Et voilà, c'est pas très loin. Vous en avez pour aller 20 minutes avec l'autoroute. Voilà tout, c'est un dimanche, pépère, tranquille, alors venez me retrouver, il n'y aura pas que moi, il y aura d'autres jolis stands, Inch'Allah, plein de choses avec d'autres personnes, voilà, je vous en dis pas plus, comme ça vous verrez tout sur place, Inch'Allah. Franchement, je trouve que c'est une belle organisation, en plus, il y a un coin buffet, il y a une vente, il y a franchement beaucoup de choses, il y a... Franchement, c'est complet. Je trouve que c'est complet. C'est très, très, très bien réalisé. C'est vraiment très bien organisé. Voilà tout. Et surtout, surtout, le côté humanitaire, parce que c'est une association, comme je vous ai dit, elle se nomme Solidart. Voilà tout. Et ils ont un projet actuellement avec le Liban. Avant ça, c'était le Maroc. Avant ça, c'était l'Algérie. Voilà. Et puis, voilà, on ne peut que répondre présent et voilà, essayer de les aider au mieux, juste avec un petit quelque chose. Et ben voilà, si on est tous solidaires, c'est sûr que le petit quelque chose va devenir quelque chose d'énorme, Inch'Allah. Alors, j'espère que vous serez présentes, Inch'Allah. En tout cas, moi, je le serai. Et je vous attends les bras grands, grands ouverts. Ah oui, vous pouvez demander. À chaque fois qu'il y a une personne, la dernière, je crois, bien, c'était au village de Marc. D'ailleurs, c'est juste à côté, le village de Marc de Villefontaine. Il est juste à côté, alors vous pouvez en profiter pour faire les deux en même temps, pierre de coup, voilà, pour faire du shopping. Ça, en plus, on aime trop. Et ça sera, oui, c'est dimanche, hein, mais c'est tout fermé. Non, non, tous les dimanches du mois de décembre, tout est ouvert. Même les tout petites boutiques, plus on se rapproche des fêtes de fin d'année, plus tout le monde ouvre. Alors voilà, nous, on sera là. Et puis en même temps, comme ça, vous pouvez peut-être, sans leur faire de la pub, parce qu'eux, ils n'en ont pas besoin. Nous, on en a plus besoin qu'eux. Bref. Je vous disais la dernière fois, parce que je vous disais, je vous attends les bras grands, grands ouverts. Oui, effectivement, la dernière fois, j'ai rencontré l'une de vous, justement au village de Marc. Et voilà, en fait, dès qu'on me dit « Laïlo Family, Leïna », c'est moi en fait qui avance et qui vient et qui vous embrasse et qui... demandez, vous allez voir. Si toutefois, il y en a une d'entre vous, écrivez-le en commentaire et vous allez voir. Voilà, oui, ça me fait toujours plaisir, ça me touche parce que, on ne se connaît pas personnellement. Moi, je ne vous vois pas, à part vos commentaires, vos likes, etc., vos vues. Vous me voyez, oui, certes, mais c'est tout l'amour qui est transmis à travers ça, en fait. Et oui, quand je vous vois, voilà, je peux juste vous accueillir bras grands ouverts comme ça. Voilà, à part si je suis un petit peu fatiguée et tout, ou si c'est pas le moment. Non, c'est généralement, vous avez compris. Bon, allez, je vous les représente. Allez, c'est parti avec celle que j'ai sur moi. La gilet là-bas. Moi, je l'appelle Bordeaux. Il y en a qui me disent un petit peu fuchsia, je ne sais pas. Ça dépend, ouais, là, je la trouve plus Bordeaux, voilà tout, avec les broderies, voilà, je vous montre de plus près, voilà, ici, elle est un petit peu trois quarts, voilà, elle est bien fuite, je vais vous montrer ça, il y a une capuche, simple, voilà, une chute là-bas, hein. La matière, je vous dis pas. Elle est longue. Pas trop non plus. Moi, j'ai un legging. Elle n'a pas d'ouverture ici, au centre. Par contre, elle en a sur les côtés. Des petites ouvertures.
Voilà, moi j'ai mis un legging, vous pouvez mettre un collant. Vous pouvez l'habiller de façon justement habillée, plus élégante avec des escarpins, avec quand il fera plus chaud, Inch'Allah, des sandalettes avec talons ou pas, du plat ou pas, avec des baskets aussi pour faire un petit peu un effet plus sportif, plus sportswear aussi, c'est possible parce que regardez, voilà, elle est pas collante comme ça, vous voyez. Elle est un petit peu plus large comme ça. C'est vraiment la tendance au Maroc. Voilà. Alors pour ce coloris, entre-temps ça peut changer. Voilà, si j'ai des commandes sur mon compte sur WhatsApp, pardon. Celle-ci, je l'appelle la Bordeaux. Il y en a trois. Il y a du M, du L et celle-ci c'est un XL. Voilà, pour moi qui fait du 44-46, c'est un XL. Voilà. Toujours le même modèle, mais cette fois-ci en jaune. Alors celle-ci, franchement, je l'apprécie énormément. Moi, de toute façon, je les apprécie toutes, parce que je suis trop bien. C'est fluide, en fait. Voilà, c'est fluide. C'est très, très fluide. La matière est juste super. Elle n'est pas collante, etc. Et franchement, ça, j'aime beaucoup. Là, avec du doré, un petit peu de l'anthracite. C'est ça qui est bien. Les couleurs, maintenant, se mélangent. Avant, on mettait que du doré, tout seul. Et à part de l'argenté, maintenant, vraiment, tout se mélange. Et c'est exactement la même en fait en jaune. C'est vrai, je vous l'accorde, ce n'est pas la saison, voilà, pour ce coloris. Mais ça arrivera vite après, Inch'Allah, au moins, vous l'aurez déjà dans votre placard. Mais celle-ci, je l'aime beaucoup. Je trouve que, je sais pas, elle est particulière en fait. C'est une couleur, c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup. Et pour toutes celles qui n'aiment pas les couleurs foncées, les couleurs... Ouais, ça égaye quoi, tout simplement, voilà. Après, toujours dans le même style, tout d'abord, en jaune, j'ai du M, du L et du double XL. Celle-ci, c'est du double XL, voilà. Et je vous disais, toujours dans le même modèle, j'ai, moi, je l'appelle l'aubergine. Voilà, celle-ci, c'est exactement la même. Voilà. Pour l'aubergine, j'ai du S, du M, du L et du XL. Là, il y a un petit peu de fuchsia. Voilà. Mais c'est exactement la même. C'est la même matière. C'est voilà, la même coupe, etc. Et l'écru qui a bien marché, celle que j'avais portée lors de la toute première vidéo, je vous disais, ça peut faire pour un mariage, pour une arosa, pour un aîné, pour une jeune maman qui vient d'accoucher, pour l'omra, pour le hajj, etc. Il m'en reste deux. C'est l'écru. Il me reste deux M. Donc juste ici, je vais vous la déballer. Elle est juste là. J'arrive à la choper. Voilà, c'est celle que, franchement qui a très très bien marché. Parce que ouais, je pense que c'était plus pour les occasions. Voilà. Et là, il m'en reste deux et c'est deux M. Voilà, et les filles, c'est vrai. C'est vrai. Parce que c'est peut-être que j'étais en rattrapage de Ramadan ces derniers jours. Mais Ramadan, il arrive à grand pas, Inch'Allah, ya Rabbi, Allah yadkhlina nafsaha wa salama, comme chaque année, Inch'Allah. Et si on a, j'espère, la joie encore de le faire, Inch'Allah, qu'on sera encore ici, Inch'Allah. Ramadan, il arrive très vite, n'empêche, hein. Il arrive très très vite, voilà. Et bien, pour ce modèle-ci, c'est tout bon. Oui, je vous ai montré, je vais passer maintenant... un modèle qui a bien explosé aussi. Et moi, de toute façon, j'ai presque plus rien, mais quand même, je vous l'ai présenté. C'est celle-ci, voilà, qui a très, très bien marché. Elle est plus longue un petit peu. Elle est toujours, regardez, c'est toujours un petit peu le même style, en fait. Voilà, je vous dis, c'est la grande tendance au Maroc. C'est plus un petit peu sport que bien près du corps, vous voyez, où c'est tout moulant. Avec les brodures ici au niveau des manches, voilà. Ici, c'est comme ceci. Voilà. Et la capuche, il y a la brodure aussi. Je vais vous la montrer de dos, c'est mieux. Je ne peux pas la mettre, c'est pas ma taille. Je vous dis, c'est parti tellement vite, j'allais la rigole. Voilà. Qui fait le rappel avec un petit pompon. Voilà, et là, j'ai pour la beige marron, j'appelle beige marron, j'ai un M et un L. Je dis les grands tailles, elles sont parties très très vite. Hein. Voilà,
Et toujours la même matière qui danse comme ça, bien, bien fluide. Et j'ai la même, sans vous la sortir, celle que j'ai portée déjà plusieurs reprises, noire et bordeaux comme ceci, exactement la même. Et celle-ci, il m'en reste qu'une, c'est un L. Voilà. Pareil, avec les détails au niveau des manches, au niveau de la capuche, etc. C'est exactement la même. On change de modèle cette fois-ci, on change de coloris effectivement aussi. Celle-ci, je l'appelle les points de croix. Regardez, par rapport à ça, voilà, cette jolie broderie avec ces jolies couleurs aussi qui font bien, voilà, qui se marient bien ensemble. C'est vrai qu'on n'aurait pas forcément pensé, moi pas du tout, avec du bleu, du rose, etc. Ça se marie très très bien, ça, voilà, une petite touche là, comme ça, supplémentaire. Au niveau des manches, celles-ci, elles sont un petit peu évasées, pas trop non plus, regardez, voilà. Elles sont longues, il y a, ça fait bicouleur, voilà. La capuche, comme ceci, simple, voilà, et comme ceci. Donc, celle-ci aussi, elle a une petite ouverture. Voilà, je me suis un petit peu étalée là, partout. Voilà, celle-ci, c'est un L. Voilà, je trouve qu'elle taille un petit peu plus grand que la précédente. C'est toujours la même matière. Toujours, regardez, la matière bien, bien fluide, comme on aime. Et il me reste deux L. Voilà, celle-ci aussi est partie très, très vite. Je pense dû à la couleur, dû à l'élégance, etc. Il me reste deux L. Ça part très vite. On passe maintenant au Gandora, voilà, que vous avez beaucoup apprécié aussi. Celle-ci en rose, un petit peu bébé, voilà, avec la bande noire ici. On dirait qu'on a un sautoir. Voilà, c'est super joli. La bande va jusqu'en bas. Je vais vous montrer ça. Le rappel aussi au niveau des manches. Voilà. Il y a aussi du doré juste ici, tout autour. Voilà. Et bien, bien longue, avec une petite ouverture sur les côtés, sur chaque côté. Voilà, celles-ci, elles sont parties aussi très, très vite. On est bien à l'aise. Toujours la même matière, comme les gilets là-bas. Toujours aussi fluide. Voilà, vraiment, voilà, juste topissime pour être à l'aise, que ce soit à la maison, si on est invité, on ne veut pas mettre quelque chose de serré, etc., on aime mettre quelque chose de long, ou pour un événement, etc., 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 etc. Il y a la rose en L, c'est la seule qui me reste, en couleur un petit peu moutarde, là, comme ça, en L aussi, il me reste une de chaque, et celle-ci en vert. Vert noir, toujours exactement la même chose. En L également. On passe maintenant à un nouveau modèle, un autre modèle plutôt, et à un niveau un petit peu supérieur. Parce que celles-ci, voilà, elles sont plus type habillées, plus pour un événement ou juste pour vous faire plaisir comme ça. Voilà, moi perso, pour sortir, bah, je le porterai bien. Cette couleur, je ne vous l'avais pas montrée parce que bah, pour être très transparente avec vous comme d'habitude, je l'ai laissée dans un coin. Voilà, je viens de la retrouver. Je me suis dit, ah, je me semblais bien que j'en avais une comme ça. Voilà. Subhanallah. Voilà, j'avais juste zappé. Couleur jaune, un peu moutarde. Voilà, pas plus foncée que la Gandora. Regardez de plus près. Celle-ci, c'est un XL. L'étiquette est juste là. J'essaie de la camoufler. Non, on va montrer quand même. Les détails, c'est le plus important. Je les appelle les perlées. Parce que, ben, elles ont plein de perles. Voilà, à ce niveau. Regardez. À ce niveau, des manches. Aussi. Voilà. Aussi, regardez là, le détail. Voilà. Sur les deux manches. Et... en bas, elle est comme ceci. Oups, on va trop bas. On va trop trop bas là. Voilà, comme ça. Voilà, celle-ci, elle a une petite ouverture par contre devant. Un jean là-bas. Hein. Voilà, un jean là-bas, mon réveilleur. Voilà, comme ceci. Alors, celle-ci, c'est un XL. J'ai un modèle de chaque que je vais vous présenter. Vous m'avez déjà vu porter celle-ci, plus colorée. Voilà, ça c'est un double XL. Elles sont juste franchement magnifiques.
Celle-ci, c'est un L, la violette, comme ça. Elle est très, très belle. En noir. Celle qui aime beaucoup le noir. Voilà, avec des couleurs. Celle-ci, c'est du L. Moi aussi, j'aime beaucoup le noir. J'aime bien quand c'est coloré. Pour pas être tout le temps triste comme ça. Celle-ci, c'est du L. C'est exactement le même modèle, voilà. Celle-ci, bah, plus simple. Et celle-ci, avec des couleurs. Voilà, toutes les autres avec des coloris. Voilà tout. Bon, pour pas faire plus long que ça, parce que le but, c'était surtout vous parler de l'événement qui arrive, vous dire que je suis toujours avec mon projet, et j'espère, Inch'Allah, continuer. Et en tout cas, je ferai toujours tout pour que ça aille dans ce sens-là. Inch'Allah, bi'idhnillah. Voilà tout. Les nouveautés arrivent, mais voilà, plus courant février, Inch'Allah, si tout va bien, ça sera plutôt dans ce sens-là, où voilà, ça dépend de la quantité que j'ai. De toute façon, je partirai toujours sur pratiquement les mêmes modèles. Voilà, parce que c'est quelque chose qui est bien apprécié, et surtout niveau qualité. Voilà tout. Je vous laisse me contacter sur WhatsApp, s'il vous plaît. Pour moi, c'est beaucoup plus simple. Je vous mets mon numéro juste ici, l'affiche. Normalement, vous l'avez vu à plusieurs reprises sur ce côté-là. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, le 18, Inch'Allah, à Villefontaine, avec l'association Solidart. Voilà, j'espère que vous serez là, Inch'Allah, à me soutenir, à les soutenir, s'il vous plaît. Et voilà tout. Je vous embrasse très, très fort. Prenez bien soin de vous. Et bien sûr, allez Maroc, allez les Bleus. À très vite, Inch'Allah. Salam.